Salut tout le monde, c'est CryptoGamer et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Allez, ça gosse. Bon, tant pis, c'est pas grave, on voit pas la caméra. Dans le fond, donc, je l'ai encore une vidéo que je parle, je sais, il n'y a plus de vidéo gaming. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, déjà pour commencer, est-ce que j'arrête le gaming? Pas nécessairement. Mais ça se peut que j'arrête. Je finisse par arrêter le gaming, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, il faut savoir, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis joueur de hockey depuis que j'ai 4 ans. Donc depuis que j'ai 4 ans, je joue au hockey, je m'entraîne, puis que c'est ma passion, dans le fond. Voilà, c'est ma passion. Puis c'est ça. Puis là, je suis rendu bantam. Bantam, là, j'étais en train de faire les testings puis tout. Là, c'est pour ça que j'ai encore mon chandail d'école. En fait, là, j'avais pas de chandail d'école avant, mais justement, je viens d'arriver d'un match d'hockey que je viens de finir. C'est des testings. Puis voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mon chandail d'école encore une fois. C'est gossant, par exemple, à mettre, là, je sais. Mais voilà. Donc, là, on va parler de ça. Donc, moi, je sais pas. Pour l'instant, je vais pas arrêter le gaming. Pas à 100% en tout cas. C'est genre aujourd'hui, je vais jouer par exemple. Là, en ce moment, ma PS4 est ouverte. Puis tantôt, je vais jouer un peu. Là. Je sais pas à quoi, mais je vais jouer. Mais après ça, je vais surtout me concentrer sur le hockey. Histoire de vraiment. Parce que là, je suis rendu bantam. Là, ça niaise plus. Là. Les grosses mises en échec. Puis là, les gars sont rendus grands, costauds. Puis tout. Fait que tu sais. Je veux vraiment me préparer pour ça. Ben, préparer, j'ai déjà préparé, mais je veux dire, je veux encore m'entraîner sur ça. Je veux m'entraîner. Tu sais, je veux vraiment là, être parfait pour le bantam puis le midget qui va être plus tard. Puis voilà, fait, je veux vraiment me concentrer sur le hockey. Je suis surtout en plus, je suis en très bonne posture. Donc, j'ai vraiment pas envie de gâcher ça à cause des jeux vidéo. Puis voilà, fait que, tu sais, je vais jouer de temps en temps. Je vais être connecté à ma PS4 d'un fois, mais ça va être plus pour regarder des vidéos sur YouTube. Mais pour ce qui est du gaming, je vais peut-être en faire de temps en temps. Mais pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur l'entraînement. Surtout, particulièrement pour le hockey. Puis voilà. Fait que c'est ça. Je vais peut-être même, comme je vous ai dit, peut-être finir par arrêter carrément le gaming. Ce qui veut dire dans le sens que je vais peut-être jouer genre de temps en temps à PS, mais très très rarement. Et je ferai plus de vidéo gaming sur ma chaîne. Donc, est-ce que ça veut dire que cette chaîne va être supprimée? Pas nécessairement, mais peut-être. Est-ce que ça veut dire que cette chaîne, je vais la garder, mais je ferai plus de vidéos? Peut-être. Mais c'est pas sûr. Donc, moi, ce que j'ai l'intention de faire, peut-être. Parce que, comme je vous dis, j'ai l'intention de peut-être arrêter le gaming à presque 100% pour vraiment là, être que dans le sport. Jouer dehors, faire des vlogs, des trucs comme ça. Fait que je vais peut-être me créer une autre chaîne, mais seulement qui va être dans le sport, les vlogs, des trucs que je fais, des activités, des trucs comme ça. Voilà, vraiment des. Voilà, ça va être hors, ça va être des activités extérieures. Fait que c'est peut-être ça que j'ai l'intention de faire. Pas tout de suite, ok? Voilà, je vais pas parler trop vite. Mais c'est ce que j'ai l'intention de faire pour vraiment être. Voilà, je vais être à 100% pour le hockey. Surtout, comme je vous ai dit, je suis tellement bien parti. Puis, il faut vraiment pas que je lâche. Fait que je veux vraiment continuer comme je suis. Puis j'ai pas envie de baisser à cause d'une PS4. Tu sais, on s'entend. Puis en plus de ça, on se cachera pas que les jeux vidéo, pour moi, c'est pas du tout quelque chose que j'aime particulièrement. J'en fais beaucoup parce que c'est plus un passe-temps, en fait. Genre, quand j'ai rien à faire, je vais qu'en train de jouer, admettons, à UFC, à NHL, à R6, des affaires de même. Mais c'est pas du tout une passion pour moi. Genre, les jeux vidéo, pour moi, là, je veux dire que j'aurais préféré que ça n'existe pas, en fait. Comme ça, j'aurais pas eu de problème avec ça. Puis j'aurais été que dans le sport. Mais, bon, c'est ça.
c'est pas si grave parce que je veux dire, je reste beaucoup dans le sport. Mais c'est ça. Fait, j'ai l'intention de peut-être arrêter le gaming. Puis franchement, je suis content. Puis si j'arrête le gaming, en fait, je vais être content. Donc, pas tout de suite, mais ça va peut-être venir. Voilà. Puis, donc, ça veut pas dire que je vais arrêter. Genre, ça veut pas dire qu'il y aura plus de vidéo gaming, plus jamais. Mais genre, il y en aura peut-être une fois ou deux mois. Non, même pas, là, une fois ou quatre mois. Peut-être même pas, il y en aura peut-être même juste zéro. Mais bon, on va voir. Ça va être à moi de réfléchir à ça. Mais comme je vous ai dit, je vais vraiment me concentrer sur le sport. C'est pour ça, en ce moment, il y a que des vidéos de sport, en fait. Regardez, j'ai fait la vidéo des push-ups, j'ai fait la vidéo de mon jogging, j'ai fait la vidéo de mon entraînement de boxe. Puis là, bientôt, ça fait qu'une vidéo sûrement d'hockey, puisque je vous spoil pas. Mais voilà, donc tout ça pour dire que le gaming en ce moment, j'en fais plus beaucoup. Genre là, en ce moment, je suis connecté, je vais aller jouer un peu après. Mais voilà. Fait, je préférais vous prévenir que Tuto Gamer, c'est peut-être presque fini. Moi, honnêtement, ça me fait. Je vais être connecté, là. Ça me fait pas mal parce que de toute façon, la chaîne, je l'ai pas du tout réussi. Fait que au pire je vais pouvoir commencer à zéro sur une chaîne libre. Une chaîne dans le fond extérieur. Où que là, je vais faire des vlogs, je vais faire du sport, je vais faire de ma passion le hockey. Je vais faire de tout sauf du gaming. Puis ça va me faire du bien puis voilà. T'sais, on fera des vlogs avec en gang avec des amis puis tout, ça va être tellement le fun. Mais voilà, fait que je veux vous avertir, c'est pas sûr à 100% encore. Ben, une chose est sûre, le gaming, je vais en faire énormément moins. Fait que je vais en faire vraiment beaucoup, 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 beaucoup moins. Je vais peut-être encore en faire. Gardez, cette semaine, là, comme je vais jouer là, je vais peut-être faire une vidéo là, admettons, tourner pour une vidéo de cette semaine. Mais je suis vraiment pas sûr. Okay, fait que ça avait qu'à voir. Moi, je voulais juste vous dire que Cuto Gamer, c'est peut-être la fin. Ben, pas de suite, mais ça va peut-être être la fin plus tard. Puis voilà, fait que c'est ça. Moi, je veux vraiment me concentrer dans le hockey. Puis dans le sport. Puis voilà, fait que c'est ça que je voulais vous dire. Petit message comme ça. Voilà, je sais que la vidéo de base, c'est une chaîne gaming. Il n'y a plus vraiment de vidéo gaming en ce moment. Mais voilà, comme je vous dis, c'est peut-être fini. Ou sinon, je vais peut-être continuer sur cette chaîne-là, mais renommer la chaîne, puis ça va donner une chaîne de sport. Ça aussi, ça peut être une possibilité, mais moi, je préfère, je pense que je vais recommencer à zéro. Puis voilà. Ok, donc en tout cas, merci d'avoir regardé, c'est tout ce que je voulais vous dire. Fait que c'est ça, fait que le gaming, pour l'instant, c'est pas fini, mais ça va peut-être venir de petit à petit à arrêter. Fait que voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Merci d'avoir regardé. Puis voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté. Puis voilà, ciao tout le monde.